Connectez réseau information, Sophia TV 83. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour journée jeudi, lundi 16 janvier 2023. Ça, c'est le moment pour me présenter le principal point à clôture qui peut le faire essentiel dans le journal là pour journée jeudi à là. Nous parler ça qui passait dans bon repos. Pourquoi il est là? Gros déplosage qui pétait entre la police et bandit qui te dit Jerry tombé en babal la police et Jerry c'est deuxième chef gang Canaran qui pourquoi il est là? T'es dans gros affrontement mais qui rive bois de l'eau bouche. Côté la police s'est fait plusieurs arrestations avec l'autre bandit tout qui en bas code pour côté n'a pas l'air là. Rappelez pour nous Jerry qui tombait malheureusement dans l'échange coup de balle avec la police. C'est un homme actif gang Canaran qui est spécialisé dans détourner camions, marchandises, vol, viol, à Kadejak. Mais pourquoi il est là? La police s'est fini avec ça et Jerry couche en côté mortellement et pas gain retourner sous terre ça encore pour chef gang Canaran. La police fait qu'on est tout, yon saisi yon fusil M4 avec plusieurs pistolets, yon saisi yon machine, des motocyclettes confisquées dans moment opération ça et c'est moment tout. La police est déterminée côté le mandat population continuer aider yo renforcer présence dans quatre coins pays et puis bay collaboration yo ouais comment yo ka fini à causer phénomène banditisme. Commissaire Jacques Lafontaine qui fait gros sorti dans le dossier, il a accusé l'un vêtu en voilà sous grabji, malversation, corruption dans le pays d'Haïti, bagayo en pile. Dans le coup, j'ai trouvé un policier Idmo qui sorti dans la 31e promotion police nationale, la mouri la Kaili, hier dimanche 15 janvier 2023. Ça, commandant Idmo, tu as reçu un cartouche pendant le test sous travail. Et c'est ça, nous arrivé confirmé avec Lionel Lazare, représentant Sina Poua. Restez là pour vous déplacer, si vous pouvez faire ça, qui te dit, songez, abonnez à Chanel Paola Sophia TV 83. Un pile détail avec information à venir dans le journal ça pour journée jodia, qui c'est 16 janvier 2023. Restez connecté ensemble avec nous. Plus de détails avec information à venir couler là sous Chanel Paola. La police nationale d'Haïti, ensemble avec l'armée d'Haïtien, y a mené une opération dans la boule 12. Hier dimanche là, plusieurs unités spécialisées dans la police nationale d'Haïtien, à Cap Fosta, mais d'Haïtien, FADH, la bonne bien, ils étaient sous place, ils étaient sous DP militaire, yo, dans la zone Thomas Laboule, hier dimanche, qui était 15 janvier 2023. En pile, la police arrivée, mais une opération ça, et diverses, on dit, saisies qui fait, mais jusqu'à présent là, la police qui déterminée pour capable croiser action, bandio, mais ça qui sûr certain, la police acclamé différentes unités spécialisées, yo, yo, rivé, mené opération. Qui ça a bilanier? Nous attendons encore détails, bon côté force l'audio, soit à travers un communiqué, bon côté la police, ou bien à travers une conférence que t'as capable bail pour informer la presse, qui ça exactement bilan opération que yo mené dans la boule à Canan Thomasin, hier dimanche, qui c'était 15 janvier 2023. Toujours dans sa queue avec la police, gain coordination de presse avec relations publiques, la police qui fait connaître un citoyen étranger qui te gain amel, un passeport panaméen, ben la police a arrêté l'aéroport. Tout c'est l'ouverture, c'est Ayala Lopez, Ronald Domingo, qui la justice dominicaine t'a cherché pour présumer implication dans l'assassinat Anthony Garcia, qui ben la police a interpellé dans l'aéroport. Tout c'est l'ouverture vendredi 13 janvier. Il était gagné dans un passeport panaméen, il t'a quitté pays d'Haïti pour aller pays Mexique lorsque yon équipe BLTS DCPJ t'a intercepté là avant t'a procédé à interpellation. Ayala Lopez Ronald Domingo t'a gagné un mandat d'arrêt international contre lui-même, il doit répondre à question enquêteur BCN Interpol DCPJ en attendant extradition dans pays République Dominicaine. La police nationale d'Haïti a encore pas possible à côté au poste la patte gendarme annoncé le titre journal là sont certains de Jean Gonzalez à Diamison Théodore qui tout le monde connaît son nom prophète berger moderne. Mais la police nationale d'Haïti a non confirmé là sous code culturelle que arrestation citoyen ça samedi qui était 14 janvier 2023 dans Port-au-Prince n'a parlé de Jean Gonzalez à Diamison Théodore dit prophète berger moderne selon ça qui est publié sous site la police nationale d'Haïti. Il a arrêté tout ça samedi qui était 14 janvier 2023 dans Port-au-Prince Jean Gonzalez à Diamison Théodore. Je dis à tout le monde connaît ce nom prophète berger. La police a tapé chez monsieur Tankou ou chien fou puisque monsieur Sénégal qui affilié qui
pertinent et reprocher monsieur pour question association malfaiteur de nèg qui gagne très bon rapport avec de nèg bandi qui dans région métropolitaine Port-au-Prince. Pour la police a fait connaître où ça gagne pile vidéo gagne pile image qui a circulé sur toutes les réseaux sociaux au côté où yo web pour fait berger qui bon côté concordat connivence avec de nèg armé en pays et de nèg armé qui ont même impliqué dans divers actes kidnapping assassinat et yo reproché Andy Prophète Berger qui tagué sans délai présumé implication dans divers actes assassinat à Kazak kidnapping d'après et ça qui dit bon côté force l'audio encore jeune dit l'opposé la patte sous Prophète Berger moderne selon force l'audio qui est annoncé nouvelle là on a parlé de la police pendant week-end samedi qui était 14 janvier 2023 sévère gain résident dans l'île la voix qui exécutait trois présumés bandits hier dimanche 15 janvier dans l'île la voix 39 individu ça aussi présumé voleur qui aurait sur l'information mon zone a communiqué mon ça été spécialisé en voleur bête et citoyen dans zone là tab veillé depuis quelque temps voleur bête question voleur bête là litre c'est en pile zone dans région métropolitaine Port-au-Prince il y a fait tant qu'on allait au gan l'oiseau depuis plusieurs années autorité locale yo pas suspendre plein pour mander aide autorité et policière yo en deux jours garder ça dans côté force l'audio nous apprendre que gain trois présumés bandits que yo posé la patte sur qui t'a fait partie groupe gang grand griffe dans lien coup pour t'a dit bien tirer la Tibonite département la Tibonite mais qui est Jean 3 en dit présumé bandit ça relé nous jeune c'est Gustave Harold alias Boss Joël Jacques Fekier alias Lumière Rouge que la police a arrêté dans lien court vendredi qui était 13 janvier 2023 dans cadre opération tête ensemble que la police menait agent Udmo dans Saint-Marc avec Gonaïve Menin présumé bandit ça yo et c'est SDPJ SDR service départemental renseignement qui a information sur présumé bandit ça yo qui a fait partie réseau groupe gang ça vient qui tout le monde connaît groupe gang ça qui est les grand griffe qui a bail problème. De l'autre côté la police a posé la patte son certain de Fleu et Rival Mendy alias Widi membre groupe gang Grande Saline la police a arrêté le pendant même week-end ça pour qu'on y a metto ça yo placé dans garde à vue dans commissariat à Saint-Maclin pour faire suite en nécessaire yo. Service départemental renseignement fait qu'on est là mais dernier événement qui était produit dans l'encoulant mais c'est action bandit nèg yo a fait cap théoriser population cap perturber l'ordre public sous au couvert sous question nèg base grand griffe cap ben problème dans zone ça et la police qui est déterminée j'en dis à travers communiquer ça pour que yo capable croire action bandit yo dans la Tibonite dans tout pays pendant n'a rappelé que ben nouveau responsable police dans la Tibonite on a parlé de Brice Mutil Jean-Brice Mutil qui était annoncé dans l'installation là mais li vini l'autre bois dans la Tibonite li pral mette la paix l'autre bois et ça fait te demander collaboration chaque graine acteur dans département la Tibonite pour aider yo croire action bandio dans différentes communes différentes localités qui trouvaient dans département la Tibonite pays d'Haïti toujours dans ça avec information concernant l'arrestation la police fait gain deux armes à feu la police saisie yon véhicule la qu'un moto li confisqué quatre bandits mortellement blessés dans échange coup de balle avec force l'audio et puis gen quatre autres qui arrêté pendant opération la police terminé dans troussable dans base Bois-Calé dans la nuit 13 pour ouvrir 14 janvier 2023 bon minuit comme ça gen brigade intervention commissaire Yagonaivio ak Udmo dans l'Antibonite dans tête collée mené opération dans troussable yon banlieue dans commune Gonaïve côté 8 membres gang base Bois-Calé neutralisé. En effet, quatre bandits mortellement blessés dans l'échange de coups de balle avec un force l'audio. Et puis la police a arrêté quatre lotes. C'est quatre mounsa aussi. Deris Jocelyn, Joseph Jimmy, Noël Richie, avec Dieu Juste Victor. Plusieurs lotes bandits t'es prend la fuite avec Zamio. La police n'a gonaï va continuer à traquer jusqu'à ce qu'elle éradique l'organisation criminelle ça dans la commune Naïve. Direction départementale rappelé à Genio qui a intention entraînant gang pour yo pas prendre voir ça parce que voir ça mené à Kafou qui a 3 M là-dedans.
Marie Maron mourir selon la police. Et puis le conseil pour embrasser l'autre activité légale qui conforme avec normes sociales. Décision qui prend bon côté administration Joe Biden non. Nous allons venir avec chargé d'affaires américain en Haïti Eric Stromae. Chargé d'affaires américain en Haïti Eric Stromae rappelé programme visa humanitaire gouvernement américain en gratis ni sponsor ni bénéficiaire pas payé un dollar pour application pour qualifier faut que ou joindre un sponsor qui pour aider ou rempli document après autorité américaine yo a pour contacter bénéficiaire alors à travers Kondjimeli c'est au qualifié dans 3 mois ou a déjà arrivé aux États-Unis et ses bénéficiaires qui doit payer billet voyage li en côté Eric Stromae pour plus de détails. Nous avons déjà attendu aux États-Unis t'ai annoncé une nouvelle politique pour haïtiens qui cherchent à vivre et puis travailler temporairement dans pays États-Unis pour raisons humanitaires et gens. Je suis très content de parler sur ce sujet ça. Premièrement, accès non processus ça totalement gratis. Ni monde qui a participé, ni bénéficiaire, a gagné rien. Je répète, rien. Pour y payer le gouvernement américain. Pour qualifier pour le programme, non? Faut qu'il y ait un monde qui gagne un statut légal aux États-Unis, accepter, supporter ou. Supporter, pour commencer le processus là. Et puis, l'IVA promette pour l'aider ou financièrement, les arrivés aux États-Unis. Supporter approuvé. Bénéficiaire, après ce mois, dans email pour lui créer un compte MyUSCIS pour confirmer conditions qualification. Depuis le bénéficiaire a confirmé, la presse voit instruction de USCIS pour télécharger l'application mobile CBP One, non pour lui faire entrer plus d'informations biographiques sur lui et puis pour lui faire payer une photo. Si il a approuvé comme un bénéficiaire, ou après se voir d'avance non utilisation pour voyager, ou bien jusqu'à 90 jours pour voyager et puis atterrir directement dans un aéroport aux États-Unis pour recevoir admission pour permettre ou habiter temporairement pendant 2 années. C'est bénéficier qui doit faire arrangement et puis payer ticket voyage. Bénéficier qui recevoir un séjour temporaire gain droit appliqué pour autorisation pour travail aux États-Unis. Cependant, monde qui déjà vivent aux États-Unis pas capable d'appliquer pour programme ça. Programme ça, c'est seulement pour monde qui vivent en dehors États-Unis liés. Nous avons toujours été avec Eric Stromae, diplomate là, t'es profité, lancé une mise en garde, ben, tout le monde qui a passé, passé sous frontière Mexique pour entrer États-Unis illégal. Tout le monde qui prend route, ça a prétourné la caillou. Eric Stromae, m'a des citoyens vigilants, tout pour pas bailler aucune raquette, raqueter l'argent sous prétexte. Il a fait au bénéficier programme, non, en côté, Eric Stromae. N'importe monde qui entrait aux États-Unis par moyen illégal, il a prétourné au nom pays. Et puis, il n'y a pas de qualifié pour participer dans le programme. Pas risquer la vie, ou on soit perdu chance pour participer dans le programme, ça, n'al prendre un thé, ou soit, n'en essayer de traverser les frontières États-Unis-Mexique, là. Moins content, annoncer que il y a un site internet officiel, en créole, qui explique le programme, et puis, qui montre où, qui gens, où appliquer. Quittez le site internet, cap défilé en bas à l'écran, pour joindre plus d'informations sur le programme. Créole parler, créole comprend. Chaque fois où annoncer un nouveau programme, toujours il y a un monde qui voulait profiter et puis abuser de l'autre monde. Un coup, individu qui est impliqué dans causer trafic monde, qui prend le bail faux prétexte pour essayer de recruter des migrants. Abdi-nous encore. Pas gagner en rien. En rien. Pour payer, pour bénéficier de programme ça. Pas coûter personne qui a demandé nous l'argent qu'on ferait pour programme non. Nous espérons un pile haïtien pour profiter de nouveaux chemins légaux. Ça, qui est sans danger pour arriver l'autre bord. Nous espérons tout que personne pas victime non même magueur ça y est. Protéger tout, protéger communauté ou. Ou devez seulement utiliser source officielle gouvernement américain pour information sur programme ça. Voilà, déclaration chargée d'affaires américain en Haïti. On a parlé de Eric Stromae, qui lui-même t'a parlé là, réagi avec concernant un programme ça, que l'autorité administration Biden lui-même, yo mettait là pour permettre que yo capable d'aller avec un pile en 10 citoyens dans 4 pays, n'a pas rappelé Cuba, Haïti, Nicaragua,
et puis Venezuela comme pays côté que investissement dans pays ça capable bénéficier programme ça. Plusieurs centaines de monde déjà autorisé pour entrer aux États-Unis dans cadre programme Joe Biden baptisé Humanitarian Parole. Information ça confirmé par sous-secrétaire d'État américain aux affaires hémisphériques n'a pas de Brian Nichols 5 jours après Andy et commencement nouveau processus migration à Camézi contre frontière. Plusieurs centaines de monde soit dans pays Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela, ils ont même déjà autorisé pour capable rentrer aux États-Unis dans quatre programmes ça. Selon ça qu'on est, selon ça qui dit beaucoup de Brian Nichols, ce qui fait qu'on est l'administration américaine a ouvert route sur et ordonné ça pour un citoyen capable d'entrer dans pays États-Unis. Programme ça qui est gratuit d'après ça qui dit sur code de Twitter Brian Nichols qui lui-même déjà a fait qu'on est gagné plusieurs un citoyen Cuba Cuba qui soit dans pays Cuba et Haïti et l'autre pays ça encore Nicaragua Venezuela qui était déjà eux-mêmes rentré dans pays et États-Unis et d'après ça qui fait qu'on est là. L'autre dossier dans le journal là, il y a une commission qui travaille l'autre dossier dans le journal là. Nous, mais avant, nous allons avec, nous étions avec le dossier Migrayo. Nous prenons avec un dossier Migrayo. Blaise, après ça, pour nous capables de parler dossier justice. Oui, toujours même causé dossier Migrayo là. Le gouvernement américain a annoncé là qu'il y a un groupe à 10 migrants qui déjà sorti à Haïti, Venezuela, Cuba et Nicaragua qui est déjà arrivé dans le pays États-Unis dans le cadre d'un programme humanitaire ça que le président Biden a lui-même mis sous pied. Plus passé 600 lots, il y a tant la semaine prochaine pour être capable d'arriver aux États-Unis. Tout d'après ça qui est rapporté par Media CBS News, qui est même cité en source dans USCIS dans le pays États-Unis. Et donc déjà, le gouvernement américain a annoncé la guerre qu'il y a un groupe 10 migrants qui déjà pour arriver aux États-Unis, mais qui sorti Haïti, Venezuela, Cuba, Nicaragua, et Jean Dian qui est déjà arrivé aux États-Unis là, et dans quatre programmes humanitaires, ça que le président Biden lui-même l'y mettait campé. Plus passé 600 lots, lui-même attendent semaine prochaine pour être capable d'arriver, rentrer aux États-Unis. Encore Jean Dian, selon ça, qui rapportait bon côté CBS News, qui citait une source dans USCIS, dans le pays États-Unis, d'après ça, qui dit bon côté. Autorité américaine, c'est ça comme information concernant ce qui est pour avec rentrer programme humanitaire parole qui prend beaucoup de l'administration Joe Biden Harris. L'autre dossier dans le journal, la commission qui travaille pour nettoyer justice, la travail un rapport avoué sous côté plusieurs juges parmi eux, Merlin Toussaint. Osner, Petit Papa, Pierre Maxime, Evans, Eltima, Legoise, Avril, Axime, Ramoncite, Frédéric Lény, quelqu'un juste à eux parvient justifier bien au gang, alors tout qui baille faux documents académiques. Nous parlons de tout côté, intervention Jacques Lafontaine qui lui-même tout a parlé sous dossier ça. Nous apprenons une commission CSPJ m'a dépoumetté et commissaire gouvernement Port-au-Prince dans le système justice là pour plusieurs dossiers en cours. L'Innavan Cordeli, il était libéré plusieurs monde pour la parmi eux deux Mexicains qui étaient en prison pour drogue. Chef à paquet Port-au-Prince là, voyez, j'étais bien loin. Paul Sayo, Jacques Lafontaine, il était libéré deux Mexicains. Sayo, suite à qui on lettre ministre de justice époque là, qui c'était Berto Dorset et voyez Bali, côté le thème de libérer monsieur Sayo, suite à qui on arrêté, qui était prêt dans le conseil ministre. En côté, Jacques Lafontaine pour plus de détails. Mardi pour l'opinion publique et pour le monde, deux monsieur Sayo, m'a monté ça à la presse, à toute la presse parlée en ligne, écrite, télévisée. Mais arrêté, qui était pris en conseil des ministres. Sous demande, ambassadeur, consul honoraire Mexique, l'Haïti, hein, je t'ai écrit ministre Berto, Morcet, l'ancien ministre de la Justice, pour demander lui, eh bien, et pour demander pour le voyer tourner pour lui au Mexique. Monsieur Sayo, qui est citoyen mexicain. Mais l'être, monsieur Berto, Monsieur Berto Dossé, t'es écrit moi, Benny, en date du 22 juillet 2022, il demandait, le ministre de la Justice vous demande de prendre toutes les dispositions relatives pour que ces expulsés soient remis aux autorités mexicaines en Haïti, dont le départ est prévu au lundi 27 juillet 2022. Et il fait référence à arrêter, monsieur Dossé, t'es fait référence à arrêter ça, d'accord? Qui t'est publié dans le journal officiel, Benny? Ouais, sous ce couvert, copie de l'arrêté. Du 1er juin 2022, publié dans le journal officiel de la République d'Haïti,
le moniteur spécial numéro 20-B. Donc maintenant, mes procédures, mes lettres ont été écrites à la directrice d'administration pour me demander, pas mal de libérer mon nom, on dit extrait de M. Sayo pour remettre à la DCPJ pour les formalités administratives. Et je me contrôle mes procédures. Nous avons enclenché. Et dans la procédure, nous visons toute pièce. Nous visons d'abord arrêter. Nous disons, vu la demande du ministre de la Justice, ok, nous disons, vu arrêter qui est dans le journal officiel de la République au numéro 20-B, d'accord, en date du 1er juillet 2022, à faire copie de l'ampliation de l'arrêté. Et demander le CPJ prend toute disposition pour capable d'expulser nous sur le territoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un arrêté pris en conseil des ministres. Un arrêté pris en conseil des ministres devient une loi. Et arrêté même dit même, monsieur s'est arrêté pour trafic illicite de stupéfiants. Donc ça veut dire que si on arrête de le prendre en conseil des ministres, il devient une loi. Le commissaire du gouvernement n'a d'autre choix que de l'exécuter au regard de l'article 218, d'accord, du CIC. Article 18 du CIC. Toujours commissaire gouvernement pour le président, M. Jacques Lafontaine dénonçant ancien ministre de la Justice, Humberto Dorcelli, dit qu'il cachait derrière toute démarche à Sayo. Jacques Lafontaine révélé M. Dorcelli était demandé libérer Bandi pour lui. Les pattes d'accord, c'est peut-être ça que je dis. Humberto Dorcelli, même en ta sale image, il est élevé contre lui. En écoutant, et toujours Jacques Lafontaine pour plus de détails. Mais ça, on va t'en cacher. Humberto Dorcelli demandé pour me libérer mon pour lui en prison. Lui m'a libéré vos criminels. Ma feo. Les mêmes pressions pour me libérer le monde, pas fait yo. Ils voient avocat de cabinet, même pression, jouer, même des gars, pas fait yo. Et c'est responsable, fait au dia. N'est pas le manger. Mais ça va passer, pas passer. Bertrand dans cette d'elle. C'est lui-même qui d'elle. Parce que demande pour moi, libérer les bandits, je me dis, non, toi, vous voulez m'appeler. Je me dis, comment y a libéré, monsieur le ministre? Faut-il venir au Sénat audience pour l'aller? Et je viens me dénoncer le marque qui me l'a comme dénoncé. Faut aller au audience criminel et qu'il y ait un juge. Capable à quitter lui, là, à quitter dans le tribunal. Mais moi, non, je vais faire. Mais les autres faits, je dis à ma subi, sentence méchante, ça y est, sentence terrible, ça y est. Et pas passer, c'est pas passé. Ah, mais c'est ça que tu causes d'être au dossier, tu es en signe révocation. Mais bien sûr, c'est ça, tout le monde est lui. Bon, même, je vois que ça, monsieur, c'est le bail qui démonte dans toute pièce. Tout le monde est lui. Voilà, on t'a côté Jacques Lafontaine qui c'est commissaire gouvernement. On a toujours été avec Jacques Lafontaine qui t'est parlé toujours en micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé a porté fin de la première fois sous commission CSPJ qui m'a dit pour mettre la sous dehors dans système justice là pour plusieurs dossiers tant qu'on les vend encore délit. Il était libéré plusieurs monde pour l'argent parmi deux Mexicains qui étaient dans prison pour drogue et où t'es côté mais Jacques Lafontaine accusé un membre CSPJ qui t'a recevo avantage dans mes anciens ministres de justice pour mettre le dehors dans le système là. Jacques Lafontaine m'a demandé pour réviser rapport à qui son travail parti pris. Chef Paquet a metté n'importe mon défi pour prouver la corruption. En côté, mettre Jacques Lafontaine. Si vous me dites une plainte qui fondait, qui dit que délibère un bandit pour l'argent, si vous avocat capable de dire comme nous-mêmes, délibère un vagabond pour lui, délibère un dealer de drogue, un violeur. Yon qui tue le monde, a même alcoté le bail de CPJ et que vous capable faire lumière sur lui. Donc en clair, moi je dis que si les CSPJ qui sont organes pour qui contrôler discipline magistrat, font au-dessus de tout soupçon. Et m'a dit que mon ministre, ancien ministre de la Justice, où elle est ensemble là, et je m'engage, m'entoure ses responsabilités. Mon ancien ministre de la Justice récemment révoqué, qui monnaie, yon conseiller, yon membre CSPJ. Et les manipuler pour capable décider contre moi dans cette certification. Et même si je dis ça, il y a un grand nègre de la place qui installe la caïboulie sous demande d'ancien ministre. Il y a un système énergie panneau solaire, ça a une énergie alternative pour capable de bailler caïli lumière. Et lui-même, il y a un range machine pour conseiller à tout. Donc voilà au frère de la princesse. Maintenant, voilà de quoi il s'agit. Un conseiller a statué. Pour écarter mon certification, ou pas capable, après avantage, dans mon ancien ministre, sous prétexte d'avoir écarté moi-même. Et je m'engage, et c'est le premier monde, m'inviter droits humains, m'inviter presse parler, écrit, télévisé, les journalistes d'opinion, amènent une enquête sous ça, et a révélé, non conseil ça. Et moi, si on m'a dit moi-même, dans l'enquête à faire dans l'investigation, m'a dit non conseil ça. Parce que mon courant, mon aile,
un conseiller du CSPJ, d'accord, lui recevoir privilège dans mon gros grand nec de la place, sous demande de ces ministres, pour qu'il écarte. Comme on peut dire, pour écarte non certification, alors c'est vous-même ou une corruption profonde. Et pas passer. Ma de l'opinion publique là, moi prêt moi-même pour m'aller en prison. Si effectivement, nous faisons pas qui m'a bon, si pas bien, nous faisons faux, si pas fait droit vrai, nous pas fait filo vrai, nous pas fait retour vrai, nous pas fait avocat vrai, si nous faisons quoi nous même nous libérer le monde mal, si nous faisons les corps de délivrer, c'est pour arrêter maintenant en prison, prêt nous aller. Bon, moi je parle peut-être mal. Mais si c'est pas ça, mes rapports sales, pas capable d'appliquer contre moi, me demander pour réviser le rapport. Et c'est pour tout le monde. Mande au ralliement de force vive de la nation. Pour yon porter la même. Pour yon faire échec à la ça. Parce que son rapport qui monte de toutes pièces. Parce que yon conseil par la corruption ou après un privilège de ma table.